à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière émission de la semaine, c'est une très très belle émission Art et Goût, 13e édition, c'est le rendez-vous de la gastronomie insulaire, sublimée par les plus grands chefs. Pour en parler, Valérie Frances, qui est la présidente du festival, et Pierre Hermé, le plus grand pâtissier du monde que vous avez découvert avec Marina, qui est également le parrain d'honneur, nous font l'honneur de leur présence sur le plateau. Francine, elle, est en direct de Bonifacio. Francine, à l'occasion de la Semaine Sainte, vous allez nous faire découvrir deux aspects typiques de la région, la langue et forcément la gastronomie. Tout à fait, ma chère Célia. Nous allons parler de la langue, bien évidemment, de sa particularité et de quelques spécialités culinaires que nous trouvons ici sur place. C'est un petit peu vanté, mais on y est très bien quand même. Bah, profitez, à tout à l'heure, Francine. Marina, bonjour. Vous êtes au fourneau avec Mickaël. Bien sûr, on ne se quitte plus, hein. Ça fait 5 ans qu'on ne se quitte plus. Et la recette avance. Mickaël, ah, voilà. On avait préparé les marrons. D'accord. Qui ont été cuits sous vide avant. Voilà. On va faire un point d'étape juste à la fin du sommaire. Vous savez quoi? À 13h. À 13h, on va vous parler des bienfaits du pain au levain. Il a souvent été délaissé au profit du pain blanc. Et il revient sur le devant de la table pour notre plus grand bien. Pardon. Donc si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler en direct au 0800 3 x 0900 ou à nous écrire, puisqu'Emmanuel, qui nous fait le plaisir également d'être avec nous, va relever toutes les réactions. Oui, posez toutes vos questions, c'est l'occasion. Vous aurez vraiment des interlocuteurs privilégiés aujourd'hui. Des experts. Alors tout de suite, on fait les présentations. C'est parti. Un plateau vraiment exceptionnel. Valérie, bonjour. Bonjour. Alors Valérie Franceschi, vous êtes la présidente d'Arte Gust, oui. Festival de la gastronomie et des saveurs. Mm-hmm. Ça fait déjà la 13e édition. Oui, 12e édition. 12e édition. Bah, Arte Gust, c'était pas ce que c'est devenu, mais c'est la 12e édition, oui. Et donc vous êtes accompagné de Pierre Hermé, chef pâtissier chocolatier, plus grand pâtissier du monde, excusez du peu, et vous êtes le parrain donc de ce festival. Parrain de cœur. Bah oui, forcément. C'est déjà pas mal. Alors on a vu un bref aperçu tout à l'heure avec notre gourmande. C'est une recette signée Monsieur Pierre Hermé et qui est tout à fait dans le thème, puisque le thème aujourd'hui c'est donc le cochon et la châtaigne. Nous, on a les marrons. Voilà, et on y a ajouté les poires. Qui se marient parfaitement bien, on l'a compris, Pierre nous l'a expliqué, avec la poire. Donc les marrons, c'est fait. Hein. Ça y est, les marrons sont poêlés. Étape suivante. Étape suivante, on va préparer des copeaux de poires fraîches. D'accord. Qu'on va mettre dans le jus de citron pour pas que ça s'oxyde. On aura ensuite des cubes de poire pochée. D'accord. Je pourrais vous expliquer. Donc, la poire ne s'oxyde pas si on la met dans le jus de citron. Voilà. Une petite astuce pour nos téléspectateurs. C'est ça, soit dans le jus de citron ou dans une eau citronnée. Mais voilà, le contact du citron fait qu'elle ne va pas s'oxyder. Et le pochage dure combien de temps? Le pochage, alors on fait un sirop avec de l'eau, du sucre, de la vanille et du jus de citron. Très bien. Qu'on apporte à ébullition. Et ensuite, on y laisse les poires pendant plusieurs heures. Et une fois que le sirop refroidit, on le laisse refroidir quasiment une nuit avec les poires dedans, qu'elles soient bien tendres, souples, fondantes. Voilà. Sachez que toute la recette paraît un petit peu longue et compliquée, mais elle ne l'est vraiment pas. Et toute la recette va s'afficher au fur et à mesure et vous la trouvez bien évidemment sur YouTube comme d'habitude. Nous, on continue, Célia, n'hésitez pas, vous revenez quand vous voulez. Bah oui, une chose est sûre, c'est que ça sent déjà très bon sur le plateau. Ça embaume, il y a des arômes de beurre, de sucre. De la vanille. C'est très prometteur tout ça. Alors, on le disait, Arte Gust, c'est le festival de la gastronomie insulaire. L'idée pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est de mettre en avant les produits du terroir et de lancer quoi, un challenge au plus grand chef pour essayer de les travailler. En fait, le fil rouge, c'est le produit. Donc c'est vrai que tout le monde était autour du produit. Alors chacun, sa recette l'adapte avec le produit. Cette année, c'est cochon et châtaigne de Corse. Donc Anne-Sophie Pic va faire un œuf de poule à la châtaigne, Christian Lesquer du boudin, Pierre Hermé, marron et poire. Donc oui, effectivement, il y a ce fil rouge. Il est tendu pendant tout le week-end. C'est autour du produit. Alors là, on a quelques images des années précédentes. Donc on les voit, regardez, elles sont juste derrière vous. Oui, Jacques Abatucci. Donc ça, c'est, j'allais dire, un grand nom. Incontournable. Ça se passe de quel côté? C'est du côté d'Aléria. Oui, c'est à Aléria. Ça, c'est l'INRA, puisque nous, on a la chance d'avoir ce fabuleux verger qui est l'INRA. Juste à côté. Juste à côté, effectivement.
C'est un marché également, Valérie, c'est pas... Il y a 126 producteurs. Alors ça, c'est vraiment des images anciennes, parce que c'est vrai que ça a beaucoup, c'est beaucoup les évolué. Ouais. Ouais, c'est les premières éditions. Ça ressemble plus vraiment à ça, mais bon, voilà. Hein. Coucou. Et... Ah non, mais indispensable. Ben voilà. Hein. Ah ben voilà. C'est une merveille. C'est parce que j'ai dit que vous étiez gourmande. Oui, mais c'est justifié, non, cette gourmandise. C'est bon. Vous aimez, Célia? Non, c'est très bon. Ça, les arômes ne sont pas du tout dénaturés. On sent vraiment le marron, la châtaigne. Et la vanille. La vanille, oui. Et c'est vraiment pas sucré. C'est pas du tout écœurant. Allez, on continue. C'est une merveille. Merci, vous revenez quand vous voulez. Hein. Oui. Oui, voilà, on disait 126 producteurs cette année. Effectivement, on peut. On est là pour déguster, mais aussi, effectivement, on peut acheter. Ah oui, ça, c'est Christophe Michalak. C'est le parrain d'il y a 2 ans. Donc, Hélène Darroze. Les grands noms de la gastronomie française. Ça, c'est une masterclass. Donc, masterclass, atelier, cours de cuisine, Pierre Sang. Ouais. Pierre Sang, qui est encore là cette année. Qui va, lui, être sur le bistronome, puisqu'il y a aussi des restaurants éphémères. Donc cette année, c'est Pierre Sang et Taku Sekin, le prix du fooding 2016, qui vont être aux commandes. Voilà. Alors est-ce que l'idée, c'est aussi permettre au grand public de côtoyer les plus grands chefs de la gastronomie française? Absolument. L'idée, c'est effectivement de... On a des super produits et après, ben voilà ce que les chefs peuvent en faire. Donc chaque année, il y a aussi un chef corse. Cette année, c'est le Casa del Mar, c'est Fabio Bragagnolo. Et l'idée, c'est de pouvoir mélanger et de créer un peu des liens, des échanges avec les chefs, les produits, le public. Oui, peut-être casser un peu les codes aussi, de rendre les choses... finalement, la cuisine et le plaisir de bien manger, ça concerne tout le monde. La cuisine, la pâtisserie, c'est avant tout du plaisir. Alors, le salé pour se nourrir, peut-être le sucré pour le plaisir un peu plus. Mais cette manifestation, moi, elle me tient à cœur et elle me touche, de part aussi l'engagement de tous les bénévoles, parce que c'est toute l'association, toute la manifestation est managée par les bénévoles et qui sont là nuit et jour et qui font vivre cette manifestation. Alors c'est 2 jours très intenses, notamment en saveur. Mais c'est un an de préparation, voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est un an de préparation, mais ça c'est normal, c'est une grosse manifestation aujourd'hui, donc c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Et c'est vrai que, oui, 2 jours très intenses. Donc c'est vous la locomotive, Valérie? C'est moi et c'est l'équipe qui est derrière, oui, voilà, exactement. Moi je ne serais rien sans l'équipe qui est derrière. Donc c'est 365 jours? Oui. Le travail? Oui. On a déjà commencé l'édition. On a déjà commencé l'édition 2018. Ah oui? Ah ben oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée un scoop, les produits que vous avez envie de mettre à l'honneur? Ça sera une double thématique, ça c'est sûr. Comme cette année, donc. Comme cette année, la thématique qui nous permettra effectivement d'associer le salé et le sucré. Voilà. Après, on a tellement de produits incroyables. Moi, j'ai aucun problème. Je vais rajouter une question dans le questionnaire. Ah, merci, Emmanuel. On va essayer d'en savoir davantage. Allez, on va essayer de pas livrer tout de suite le secret. Alors, par contre, c'est le moment pour vous d'être attentif, puisque comme chaque jour, c'est l'occasion de gagner des cadeaux à condition d'avoir la réponse à la question d'Emmanuel. Alors, je suis restée dans le thème. Valérie, je vous interdis de donner la réponse. D'accord. Puisque je sais que ça va vous toucher. On va la faire un peu à la question pour un champion. Je suis une spécialité corse, élaborée à base de farine de châtaigne, d'eau et d'une pincée de sel. J'accompagne volontiers brooch et figadello. Qui suis-je? Aujourd'hui, vous n'avez aucune excuse pour ne pas nous appeler. 0800 3x0 900. À gagner 2 places pour Zambalarana, à l'Albor, au samedi 22 avril, offerte par la ville de Bastia, ainsi que 2 places pour la plateforme danse à l'Espace Diamant, mercredi 24 mai, offerte par l'Espace Diamant. Appelez-nous vite, on attend votre appel. Merci Emmanuel. Alors à suivre, vous l'avez vu tout à l'heure dans le sommaire, on a Francine Cheveux au Vent qui est du côté de Bonifacio. Elle est en direct et si tout va bien, elle est en compagnie d'Alain Dimélio pour nous parler des spécificités linguistiques de la région. Tout à fait, ma chère Célia. Bonjour les filles. C'est vraiment pas très juste. Hein. Vous me donnez l'eau à la bouche. Là, j'ai une faim de loup. Bref, donc je vous disais tout à l'heure que le bonifacien est une langue particulière, un corse particulier qui ne se parle pas de la même façon, bien différente, en tout cas du nord de la Corse, du centre de la Corse. Je suis en compagnie d'Alain Dimélio. Vous êtes... Bonjour d'abord. Bonjour et puis heureux de vous accueillir ici dans mon quartier à Bonifacio. Oui, c'est vrai que là, on est vraiment chez vous. Vous m'expliquez tout à l'heure que c'est vos aires de jeu. Tout à fait. Ouais.
Donc Alain, vous êtes chercheur sociolinguistique, donc la langue, vous savez de quoi on parle. Et le bonifacien donc, est issu de six siècles et demi de gouvernance génoise. Donc c'est certainement de cela que tient enfin, la richesse de cette langue. Il y a votre collègue, cher Alain, Jean-Marie Combe, qui est un chercheur linguistique et qui est bonifacien aussi, qui dit donc du bonifacien, ou bonifacine, comme on m'avait dit. Je l'ai bien prononcé cette fois-ci. Magnifique. Qui dit que donc... que c'est un isolat linguistique pris en étau entre les variétés de Corse du sud de la Corse et du nord de la Sardaigne. Est-ce exact, Alain ? Oui, parce que Bonifacio, c'est, bon, le Bonifacio et le Bonifacien, culturellement, c'est une enclave génoise. Bon, il y a sûrement toujours quelques langues qui se sont parlées ici parce que c'est un port et que du coup il peut y avoir des contacts, des mélanges. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est intramuros, c'est-à-dire dans la citadelle. Et là, on est dans Bonifacio proprio, c'est-à-dire dans une petite enclave, un isolat linguistique qui est fermé par un double détroit. Il y a le détroit de Bonifacio ici qui nous sépare de la Sardaigne par 12 kilomètres. Et puis à l'époque, il y avait un détroit terrien qui nous séparait de l'Alta Rocca à Portovecchio, qui n'existait pas encore tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, Bonifacio est une colonie génoise. Et quand les colons sont arrivés ici, ils se sont substitués à la population. C'est-à-dire, on a nous lâché tout en concours. Hein. Et du coup, la ville s'est maintenue comme ça au cours des siècles, toujours avec des colons génois qui parlaient le Ligure et pas le Corse. Alors, en quoi c'est intéressant, justement, aujourd'hui, ces particularités ? Ben, ce qui est intéressant, c'est de voir d'abord comment se construit un territoire au cours des siècles. Ça n'est pas quelque chose d'uniforme. Et puis aussi, comment ce territoire est de toute façon imprégné de plusieurs langues avec une identité particulière qui s'y développe. Ici, c'est le Bonifacien et ça constitue un petit peu le caractère d'île dans l'île de Bonifacio. Et on peut aussi en tirer un certain parti en termes culturels, voire touristiques. Aujourd'hui, le Bonifacien, est-ce que c'est un dialecte ou est-ce encore une langue vivante? Est-ce qu'on le parle encore des Segarudi ? Alors, les linguistes en général ne s'attachent pas à la notion de dialecte quand elle est prise comme ça. Tout est langue. Mais on peut parler de dialecte quand on l'associe à une autre aire linguistique plus large. Le Bonifacien est certainement est un dialecte du Ligure, le parler qui va à peu près de Gênes jusqu'à Monaco. Et qu'on retrouve par enclave aussi dans des zones de Sardaigne comme Alcalassette. Voilà, il y en a d'autres, hein, des petits isolats comme ça, issus du Génois et du rayonnement de Gênes à l'époque. Alors, et où Badiou d'Adalia, Bolivar Bidrawaya, parce qu'il a fait un bamika gouzi. Alors, il a perdu vraiment tout aspect vigida de la langue, et que donc abis comme ça se farent, ça a du bien de quelques phrases d'Adraouj. Alors, je vais d'abord les donner en français. On y va. Donc, c'est j'ai très soif, donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Alors, à Noy ou à la Nini, j'irai à Diazed, dame un petit roi, quoi, Bepiagé. Et boy, goumou, j'arrive. Gotamantassi, dame un gotou d'aigua, Bepiagé. Simplement. Alors, continuez, vous soudrawayou. Aujourd'hui, nous avons de la chance car il fait très beau. Donc, nous, j'irai, odie, si vous vous retournez, digitez, ou elle ou d'impo, et boy. Tamanta fortuna che oggi è bello tempo. Bon, alors on entre à Vras, à Bepiedje. Je dois aller au marché acheter du poisson frais et du pain. Donc, je vais aller au mercato, donc on prend à peine la pêche fresque et pain. Mi tocca andare au mercato a cattare il pain et o peixe fresco. E qui d'entese, guarda che particolarità, dunque è cominciata a piare oltre noi, de ghialezzo è cominciata. C'est un plaisir, Francine, elle a un droit à un cours particulier d'histoire et de linguistique avec une superbe salle de classe. Valérie Pierre, vous connaissez, vous, Bonifacio, vous avez l'occasion d'y aller souvent. On connaît bien Bonifacio parce qu'on y passe nos étés. On adore. Enfin, je pense que, je sais pas, toi, c'est ta ville préférée, je pense. Moi, j'aime beaucoup Bonifacio parce que elle est... C'est beau. L'entrée du port de Bonifacio en bateau, c'est juste une merveille. C'est vrai. Et puis aussi, ses spécialités culinaires que Francine va nous faire découvrir tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire que vous connaissez également Alain, puisque vous étiez son élève. Oui, oui, ça a été mon enseignant à l'université de Corte. Voilà, donc il n'y a pas que Francine qui a droit à un cours particulier, pas exagéré. Alors, à suivre, on va faire une petite minute speakerine, si vous êtes d'accord, pour noter le programme à ne pas rater ce soir sur Viastel. –
Et oui, c'est une séquence nostalgie. Ce soir, on va redécouvrir ou découvrir pour certains Solanzar, un de ces airs que l'on connaît tous sans forcément en connaître l'histoire. Donc témoignage et anecdote sur ce qui est peut-être la chanson corse la plus connue dans le monde. Regina et Bruno sont, en sont les premiers interprètes. À travers les différentes interprétations de Solanzar, le film nous invite à entendre la poésie populaire de ces peuples et une mosaïque de différentes nostalgies. Donc c'est ce soir à 20h35. Sur VST, là, bien sûr. Juste avant de partir. Juste avant de partir à Aléria. Pour ce festival donc, de la gastronomie, ce festival du goût, c'est la 12e édition ? Oui, la 12e édition. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce festival, Valérie ? Je pense surtout que c'est le goût du produit. Ça, le goût du produit, et puis le fait aussi d'être dans une micro-région qui peut-être avait, on va dire, une autre carte à jouer. C'est une micro-région qui n'est peut-être pas mise en valeur comme elle devrait. En tout cas, elle n'a pas les mêmes atouts que d'autres. Donc c'est vrai que par contre, c'est une vraie région agricole, c'est une vraie terre viticole. Et c'est là qu'il y a effectivement beaucoup de choses sont parties de là. Le bio, il y a 30 ans, est parti de là. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de choses. Donc c'était facile quelque part puisque c'était vraiment le terrain propice. Donc la Corse est aussi une terre de terroir, je l'entends. Alors, une seconde, espèce de gourmande, c'est pas possible. Vous parlez de la gastronomie corse, parce qu'on peut parler de gastronomie corse à l'inverse des grands classiques de la cuisine française. Pierre n'est pas d'accord. Mais je pense que la Corse est vraiment une terre de produits, avec des produits formidables. Après, il y a forcément une gastronomie, mais c'est plutôt des plats, comme on dit, casanes. comment on est là. Mais il y a des produits formidables. Moi, j'y ai découvert des choses, le miel, les fruits confits, les agrumes confits, l'immortel, la népita, l'herba baronne, enfin, il y a... J'en oublie parce que moi, c'est un super ambassadeur. Je reste plutôt dans les produits sucrés. Mais dans les produits salés aussi, il y a des choses incroyables. Il y a de quoi s'amuser. Et... Alors, une qui s'amuse, Pierre, je suis obligée de lui rendre la parole. Non, mais c'est surtout, je voulais vous dire, les filles, vous avez oublié que Pierre était d'Aléria, d'accord? C'est Valérie qui a été après adoptée, mais voilà. C'est Pierre, ce sont ses origines. Et ça va se terminer comme ça, Marina, en plus, je suis sûre. Exactement. Alors, un peu plus sérieusement, les copeaux de poire sont citronnés, voilà. On peut dire ça comme ça, et là, la poire qui a été pochée, elle va être... Couper des petits dés. Petits cubes, voilà. Pas trop petits. Voilà. Petits, pas trop. Moyen, pas trop. Ouais. On écoute quand même Monsieur Pierre Hermé. On a aussi des disques dorés. Voilà. Hein. Des disques de meringue. Donc une meringue française. Alors, on répète pour nos téléspectateurs, la meringue française, c'est quoi donc, la meringue française, c'est des blancs montés, des blancs d'œufs montés auxquels on ajoute du sucre. Et la recette s'affiche, regardez, voilà. Donc pour nos téléspectateurs. Voilà. Blanc d'œuf et sucre. Et là, un peu de fantaisie, là, un peu fantaisie, d'or. Fantaisie, voilà, de l'or. Oui, bien sûr, voilà. Avec des reflets suivant... Très beau visuellement. Vous allez manger de l'or, Marina. Aussi. Très bien. Donc on continue. Et bien évidemment, on vous promet de vous servir avant la fin de l'émission. J'y compte bien, Marina. Vous allez déguster. Parce que d'habitude, moi, je me garde ma part. Oui, c'est vrai, voilà. Oui. Je compte sur vous pour ça. Alors, on a vu la recette s'afficher, évidemment, la vôtre, Pierre. Deux autres invités aussi assez prestigieux, deux autres parrains. Donc, Anne-Sophie Pic et Christian Lesquer, qu'on a eu la chance de recevoir. Est-ce que vous aussi laissez le grand public découvrir leurs recettes? Ah oui, à travers les masterclass que vous avez vues tout à l'heure, donc 30-40 personnes. Donc c'est vraiment. Ah oui, c'est des conditions vraiment fantastiques hein, pour le public. Et donc interactif, le public peut intervenir. Alors, est-ce qu'il faut s'inscrire? Il faut s'inscrire. Nous, on fonctionne beaucoup avec les nouvelles technologies, donc tout est en ligne chez nous. Et donc c'est. Voilà, on s'inscrit. Après, sur place, sur site, on peut essayer. Est-ce qu'il reste des places du coup? Pas beaucoup, si j'imagine. Si on dit pas beaucoup, on va décourager tout le monde. Donc, mais bon, il faut tenter sa chance. Il faut essayer. Voilà, exactement. D'accord. Alors, vous savez quoi ? On va retourner du côté de Bonifacio avec Francine, puisque Artegust, donc festival de la gastronomie, Bonifacio aussi, c'est une région où il y a de très très belles choses à manger. Oui, Célia, vous m'entendez ? Nous, on vous entend. Parfait. Donc, je suis en compagnie maintenant de Katie Couliot. Bonjour, Katie.
Bonjour, Francine. Alors, d'abord, ici, des Bonifazi, comme un nom solo, c'est des anco alanina. Non, mica alanina, Mouradinka. Mouradinka, d'où n'est plus. Alors, Keti, qui sont les traditions familiales de radio? Qui fait des guides particulières in Bonifazi? Comment apprendre de ces vestes? Apprendre, je suis toutes les traditions de Ebrogesio. Et pour vous, vous retrouvez ma famille pour manger à mes jours. Et à Zéra de nous, donc, Badouni, de 2 heures à jour. Forse oui, una dipende. Mangia deve, donc, ben a dire queste vesti. No, perché si mangia mica di chi si mangia, si mangia i ceci. Allora, giusto a un punto, c'è una particolarità, una specificità qui. Come mangia i ceci? Insalata. Ah, non si va mica come per un detto in Bastia? No, insalata si mangia. Allora, come appunto questi ceci? Già c'è una parola per dire, come si chiama i ceci? I ceggeri. Mica i ceggi, beh. No, I ceggi in corso. Dunque, come la puntata giusto appunto? Si mette a bagno a vigilia e dopo si facendo così un domani. Cioè, mettete qualcosa per farli moglie e digeremo si ceggi? Ma dicendo che si mette appena di bicarbonato, cogliono meglio e si... Sono più buoni, così si dice. Dunque, i mangiate in salata, dunque, un mezz'ora, ma so che ti ha lasciato la sua famiglia, avete appuntato il vostro da Ulino, c'è la sua figliolina che è giunta dunque, di Parigi, veramente bella di chi è un momento importantissimo. Sì, buono. Allora, aggiunte lui che si dice, non so come mica, perché è una leggenda, dirà per un tempo di sì che si mangiava mica, c'erano stati assai morti di un uso di Avrancia, e chi un giorno uyonuye balme sarebbe unto in Fréjus da voca di Fréjus un batte lu guinia da Sigilia pe dira ore di Sigilia che manda un ebog di DJ per impatta donc di sa famina gusti e da poi a traidion eboleghi Pasqua si mangia enfin benerisant si mangia un DJ. C'è un'esplicazione forse appena più naturale, viene a dire che qui è un paese sicco, secco, come digerite voi, e infatti è vare, e i ceci sono legumi che vengono a Ua per la Pasqua, dunque si mangiano per la Pasqua. Depica. E ci sono assai le proteine, digeriamo dentro. In più. In più di questa. Dunque... Vi teniamo torna penuccia e poi dopo vi lasceremo da fare il nostro pranzo di Gigi e di no Wakala, perché chi Wakala è un piatto che si mangia perché siamo sempre in periodo di carisimo. Dunque si mangia il pesce in cugui. Ah sì, sempre. Come la prontate? Bulido e poi insalata con appena d'aglio, appena accompagnato di cibole rossa. E uno strolio d'olio, perché l'olio d'olio non è mica che in Balagna. Quindi c'è anche un bonifacio. Dunque un bel pranzo che si appronta a mezz'ora. Ecco, boh, allora... Si può mangiare anche l'anchiue. L'anchiue di noi. L'anchiue con l'olio. Boh, la mia fame. Allora, bigua dopo. À tout à l'heure, Francine, elle va nous parler du pain des morts, une autre spécialité. La pois chiche, morue, ouais, vous aimez ? Pain des morts, j'adore. Toasté, comme ça, les fines tranches toastées, c'est délicieux. Bah oui, c'est le pâtissier qui parle. Morue pois chiche, il m'a même pas entendu. Morue pois chiche, c'est bon aussi, oui, c'est super bon. Cuisine très bien le salé. C'est vrai ? Oui. Je n'en doute pas. Alors, Marina, on dresse. Chose promise. Chose du... On est bien d'accord, on attend avec impatience. Les vermicelles de marron, j'ai gardé ça parce que j'aime bien voir ce geste, c'est très beau, voilà. Oui. Allez-y, Michael. Donc, on dépose au fond de ces petits ramequins, des bols, voilà. Les vermicelles. On va en dresser trois, donc voilà. Il y aura un peu de dispute. Mais bon, Pierre, le geste est vraiment assuré, mais les gens qui ont vu la recette... C'est plus difficile quasiment, c'est-à-dire de... D'appuyer et de tourner en même temps, c'est la difficulté de la recette. Oui, ça paraît simple, mais je pense que le reste, c'est pas difficile. C'est vrai. Il y a pas mal d'opérations, mais c'est pas difficile. Mais on n'est pas obligé de le présenter de cette façon Non, en fait, les vermicelles, c'est bien parce qu'après, les marrons viennent se loger un peu partout et donc c'est moins compact que si on met une cuillerée, voilà. Alors, Michael, là, vous êtes en train de disposer... On dépose les marrons poêlés. Très bien. La gousse de vanille. Belle gousse, oui. Voilà. Alors, Marina, le temps que vous terminiez le dressage, je vais demander à Emmanuel et Valérie, si elles sont d'accord, de s'installer pour le questionnaire. C'est parti, voilà. Valérie. On va tout savoir. Ouais. On va mettre les petits morceaux de... Les gros morceaux de poire poché.
Allez, on l'a fait sans jingle. Hein. Allez, ouais, c'est parti. D'accord. Valérie, si vous étiez un dessert. C'est une évidence. Les jardins de Valérie. Qu'est-ce que c'est, les jardins de Valérie? Alors, je vais pouvoir faire ma star 5 minutes. Là. C'est parti. Pas 5 minutes. Hein, c'est pas 5 minutes. Non. Ah, bon, pas les minutes, pas. Bon, alors, c'est un macaron qu'a créé Pierre. Pour moi. À base de Immortel et Cédra. Immortel parce que c'était le parfum. Enfin, c'est le parfum que je porte. Si vous étiez un goût de l'enfance. Goût de l'enfance, je dirais la confiture aux pêches de ma grand-mère sur les énormes tartines de pain du boulanger du village. Mmh. Si vous étiez une spécialité corse. La polenta. Ah, petit indice pour ceux qui n'ont pas encore téléphoné. Si vous étiez l'atelier à ne pas rater ce week-end. Ah là là, là ça c'est pas sympa comme question. Pas sympa, moi je les aime tous. Anne-Sophie Pic pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une femme, oui, et que franchement ça doit être difficile dans ce monde-là, j'imagine. Bon, triplement étoilée, seule femme chef triplement étoilée. Et puis parce que j'adore ce qu'elle fait et c'est vrai que sa cuisine est incroyable. Si vous étiez une devise pour terminer, Valérie. Une devise, je dirais, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est ce que je dis à mon équipe depuis un an. Exactement, et surtout depuis 48 heures. Merci beaucoup, Valérie. Merci à vous. Merci. Alors, vous savez quoi, personne ne bouge, on se retrouve tous à 13h. On va continuer une émission gourmande, évidemment, mais avec une petite touche bio, puisque oui, une fois par mois, on a notre experte, Émilie Claudet, spécialiste dans le bio, qui va nous parler du pain au levain et de toutes les propriétés. C'est bon à manger, mais c'est aussi très bon pour la santé. Oui. Marina, on a faim. Eh ben, est-ce qu'on mange à 13h? On peut déguster à 13h, mais il y a déjà un dessert qui est prêt. Il ne manque plus que le disque. Et j'arrive, Célia, il me reste quelques secondes. C'est bon, voilà, c'est bon. J'arrive. On lève les mains. Promesse. C'est pour vous. C'est pour vous. Pour moi. Regardez cette merveille. Ah ouais. Goûtez. On me menace dans l'oreille. Mais après, il y aura pour tout le monde, bien évidemment, puisqu'on reste. Évidemment. On continue. Alors, on a juste le temps du journal présenté par Émilie. Émilie Jolie. À tout à l'heure. Nous, on mange. Bon appétit. Moi, je vais cuire. Marina, oui, moi, je regarde. C'est ça, avec envie. Merci.